Bonjour les enfants! Aujourd'hui, on se retrouve pour faire des petits problèmes et je les ai intitulés Tarifs au parc. Aujourd'hui, Ludo et Nina sont allés au parc d'attractions avec leur papa et leur maman. Quand ils arrivent au niveau du parc, il y a les tarifs des différentes attractions qui existent. Il y a la première attraction, c'est la grande roue, la deuxième attraction, le Grand 8, et puis les chevaux de bois. Et on voit le tarif pour les enfants. Et le tarif pour les adultes. Parce que, bah, comme vous le savez peut-être, parfois les enfants et les adultes ne payent pas la même chose. C'est le cas à la piscine, au cinéma par exemple, mais aussi dans certains parcs d'attractions. Alors je vais vous poser la première question. Qu'avant qu'on attaque les questions, il faut bien que vous ayez votre ardoise. Si jamais vous ne l'avez pas, vous faites une pause dans la vidéo, vous allez chercher votre ardoise et votre feutre d'ardoise et de quoi essuyer votre ardoise. Sinon, bah, vous continuez la vidéo et vous pourrez ainsi répondre aux petites questions. Première question quel est le prix d'une entrée au Grand 8 pour un adulte. Pour cette première question, je vais vous laisser chercher un petit peu tout seul. Je vais vous la redire, vous allez bien écouter les indications et vous allez essayer de chercher. C'est pas grave si vous y arrivez pas, on va on est là justement pour apprendre, c'est un nouveau type d'exercice. Donc je vous repose la question. Quel est le prix d'une entrée au Grand 8 pour un adulte Je vous laisse chercher quelques secondes. Alors, pour vous aider un petit peu, hein, on cherche déjà la ligne du grand 8 et on regarde les indications qu'on a. Et on se rappelle bien la question, c'est pour un adulte. Dans ces cas-là, on regarde dans la colonne adulte et on trouve le prix qui est de 5 euros. Bravo pour ceux qui avaient réussi. Pour les autres, ce n'est pas grave, on va continuer de s'entraîner. Deuxième question. Quel est le prix d'une entrée à la grande roue pour un enfant Attention, on change d'attraction. Cette fois-ci, c'est à la grande roue et c'est pour un enfant. Je vous laisse chercher quelques secondes. Donc on regarde déjà la ligne de la grande roue, hein, ça vous l'avez trouvé. Et puis ensuite on recherche dans la colonne enfant et on tombe sur 6 euros. Il va falloir payer 6 euros. Question suivante, elle est un petit peu différente. Quelle est l'attraction pour un adulte qui coûte 7 euros Cette fois-ci, on nous dit le prix, ça coûte 7 euros et on veut savoir quelle est l'attraction qui coûte ce prix-là pour un adulte. Alors là, je ne vous donne pas d'indication, vous allez déjà chercher un petit peu tout seul. Vous avez le droit d'écrire sur votre ardoise comme vous pensez que ça s'écrit, ou sinon faire un petit dessin. Alors, quelle est l'attraction qui, pour un adulte, coûte 7 euros Alors, pour ça, on va d'abord chercher dans la colonne des adultes. Et dans la colonne des adultes, on voit qu'il y a différents tarifs. 7 euros, 5 euros, 3 euros. Celui qui nous intéresse, nos tarifs, c'est 7 euros. Et on voit qu'on est dans la colonne de la grande roue. Donc, c'est la grande roue qui coûte 7 euros. Question suivante. Quel est le prix d'un tour de chevaux de bois pour deux enfants Attention, tour de chevaux de bois, mais pour deux enfants, pour Nina et Ludo. Donc là, il va bien falloir faire attention. Allez, je vous laisse chercher un petit moment. Donc combien papa et maman vont donner pour Ludo et Nina Alors déjà, ça vous avez dû tous trouver maintenant, il faut chercher la ligne des chevaux de bois. Ensuite, il faut chercher le prix pour un enfant. Sauf que je vous ai dit que ce n'était pas pour un enfant, mais bien pour deux enfants. Je laisse quelques secondes aux petits étourdis qui n'avaient compté que pour Ludo. Nina aussi, on va monter sur les chevaux de bois. Donc, il faut faire un petit calcul. Et ce petit calcul, c'est donc 2 plus 2 égale 4 euros. Dernière question un petit peu plus compliquée. Quel est le prix total pour une famille qui est composé d'une mère, d'un père et d'un enfant, qui prennent une entrée pour le grand 8. En fait, Nina est trop petite, hein, elle ne peut pas faire le grand 8. Donc il y a la mère, le père et un enfant qui vont monter. Combien ils vont payer en tout Cet exercice, il est un petit peu plus difficile, mais vous allez y arriver. Il faut que vous réfléchissiez combien va payer la mère, puis combien va payer le père, puis combien va payer l'enfant, et faire la somme totale. Donc je vous laisse chercher... Vous pouvez faire une pause dans la vidéo hein, si vous ne pensez ne pas avoir assez de temps. Là, je vous laisse quelques secondes. Donc, pour grand 8. Hein. Déjà, je vous remets la ligne du grand 8. Donc, le père, la mère et l'enfant. Donc, le prix du père, de l'enfant, pardon, vous l'avez entouré, là, du coup, ça vous avez dû trouver, et le prix du père et de la mère. Sauf que c'est pour un adulte. Alors là, il nous en faut deux. Et je vous conseille d'additionner d'abord le papa et la maman, combien ils vont payer, et d'additionner l'enfant après. Je pense que ça va être plus simple. Allez, je vous laisse un petit peu réfléchir. Donc normalement, vous avez 5 plus 5 pour les deux adultes, et vous connaissez vos doubles hein, maintenant. J'ai bien vérifié que vous, les savez, que vous étiez capable de me les réciter. 5 plus 5, ça fait donc 10. Et on ajoute encore 4, et donc ça fait 14. Voilà, on a fini pour aujourd'hui les petits problèmes. Ben, J'espère je, que vous avez bien travaillé, que ça s'est bien passé. Vous pouvez regarder à nouveau cette petite vidéo. Sinon, vous pouvez demander à papa et maman de vous poser d'autres questions. Vous pouvez en poser vous à papa et maman, en inventer, poser des questions en vous aidant des prix euh, du parc. Et ben, je vous dis à bientôt et puis euh, passez une bonne journée.